On va voir maintenant une relation qui peut exister entre deux stéréoisomères. Ces relations sont ce qu'on appelle la relation d'énantiomérie et de diastéréoisomérie. Deux énantiomères, qu'est-ce que c'est? On a déjà vu ça avant, ce sont deux stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Et deux diastéréoisomères, tout simplement, ce sont deux stéréoisomères, mais qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Donc c'est très simple, mais on va voir dans quel cas on va voir l'énantiomérie et dans quel cas on va voir la diastéréoisomérie. On va procéder d'abord par étudier les molécules qui n'ont qu'un seul carbone asymétrique. Si la molécule possède un seul carbone asymétrique, ceci entraîne la présence de deux énantiomères, qu'on appelle aussi des antipodes ou bien inverse optique. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous prenez cette molécule, par exemple, à ce niveau-là, vous avez un carbone asymétrique, il est ici. Au niveau du classement, selon Canning-Gold et Prelog, vous avez 1, 2, 3 et 4. Si je regarde le carbone asymétrique, pair, c'est-à-dire 4, derrière, qu'est-ce qui est devant moi? 1, 2, 3, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il s'agit d'un S. Si je prends l'image de cette molécule dans un miroir, j'obtiens une deuxième molécule qui, elle, va être de configuration R, donc S et R. Donc 1 et 2, ils ne sont pas superposables, ils sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, on parle d'un couple d'énantiomères. Quel est l'énantiomère de 1 qui a une configuration absolue S? C'est le stéréoisomère 2 qui aura la configuration absolue R. Donc, c'est la première molécule 1 va avoir, si par exemple au niveau de la configuration maintenant spécifique, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire. Si 1 dévie la lumière à droite de plus alpha, 2 va dévier la lumière polarisée de moins alpha. D'accord? Alors, est-ce qu'on sait quelle est la déviation de la lumière de 1? Non, on n'en sait rien. C'est-à-dire que la configuration absolue, que ce soit S ou R, ne permettent absolument pas de dire est-ce que la molécule va dévier la lumière à droite ou à gauche. Tout ce qu'on sait, c'est que si vous avez deux énantiomères, s'il y en a un qui va dévier la lumière à droite, l'autre va la dévier à gauche. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, il y en a un qui va avoir plus alpha et l'autre moins alpha. Donc, deux énantiomères vont avoir des pouvoirs rotatoires spécifiques égaux en valeur absolue, mais de signes opposés. Et si vous prenez un mélange dans lequel vous avez 50% de 1 et 50% de 2, quel va être le pouvoir rotatoire de ce mélange? Ben, il va être 0 parce qu'il y en a 50% qui vont dévier plus alpha, l'autre va dévier de moins alpha, et par compensation, ben, la déviation sera nulle. Et un mélange de deux énantiomères, 50% de l'un, 50% de l'autre, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Donc un mélange racémique a un pouvoir rotatoire spécifique nul par compensation. Cas d'une molécule ou des molécules qui possèdent deux carbones asymétriques. D'abord, le nombre de stéréoisomères. Si vous avez n atomes de carbone asymétrique, on devrait obtenir 2 à la puissance n stéréoisomères au maximum. Je dis bien au maximum, vous comprendrez ça plus tard dans une autre vidéo. Cas de deux carbones asymétriques différents,
Si vous avez deux carbones asymétriques différents, il va y en avoir un qui va être RR, l'autre SS, un autre RS et l'autre SR. Donc vous voyez, on va avoir quatre stéréoisomères. On va prendre l'exemple du 3,4-trihydroxybutanal. OH, 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 trihydroxy, ils sont... C'est un aldéhyde, donc c'est l'aldéhyde qui va avoir la fonction principale. OH, l'alcool sera secondaire, il s'appellera hydroxy. Il y en a trois. Donc 1, 2, 3 et 4, c'est la chaîne principale. Et le 2, 3, 4, trihydroxy. Et vous voyez bien que dans cette molécule, c'est le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 qui sont asymétriques. Pour mettre en évidence ces deux carbones asymétriques, on ne va pas l'écrire sous forme semi-développée comme il est écrit ici, on va l'écrire sous forme selon la représentation de Crane. Dans cette représentation, qu'est-ce qu'on a? Selon Kanningold et Prelog, OH en premier, CHO en deuxième, 3 c'est ce carbone-là, et le dernier substituant selon Kanningold et Prelog, il est derrière. Donc si je regarde ce carbone-là, 1, 2, 3, donc c'est un S. L'autre, 1, 2, c'est celui-ci, 3, c'est ce CH2OH, et 4 est derrière. Donc selon Kanningold et Prelog, paire derrière, la lecture va être directe. Donc 1, 2, 3, c'est un S. Donc voilà une écriture d'un stéréoisomère. Et on avait dit qu'il y en avait quatre. Alors, on va voir maintenant. Donc voilà celui que je viens de présenter, c'est-à-dire qui va être le 2S, 3S. Si je prends son image dans un miroir, donc vous vous doutez bien que son image dans un miroir, l'image dans un miroir de SS, ça va être 2R, 3R. Donc ces deux-là sont énantiomères, puisqu'ils sont image l'un de l'autre dans un miroir et ils ne sont pas superposables. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce carbone-là, je ne l'ai pas changé. Mais par contre, pour ce carbone-là, j'ai interverti H et OH. Vous voyez, H était derrière, il devient devant, et OH, donc c'est comme si j'ai cassé la molécule. Donc c'est pour vous dire qu'il s'agit de deux molécules différentes. Pour passer de l'un à l'autre, ce n'est pas une rotation. J'ai carrément cassé des liaisons et j'ai formé d'autres liaisons. Donc, si j'ai permuté H et OH, celui qui était S devient R, et celui-ci, je ne l'ai pas changé, donc il va rester S. L'image de celui-ci dans un miroir, ça va être RS. Donc ces deux-là sont encore énantiomères. Mais si vous prenez ce stéréoisomère et celui-ci, est-ce qu'ils sont image l'un de l'autre dans un miroir? Pas du tout. Donc ceux-là, c'est ce qu'on appelle des diastéréoisomères. La même chose ici, diastéréoisomères. Si vous prenez RR et RS, là aussi, ce sont deux diastéréoisomères. SS et RS, c'est la même chose, deux diastéréoisomères. Donc voilà, deux énantiomères. Ce sont deux stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Par contre, deux diastéréoisomères, ce sont deux stéréoisomères, mais qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Ben, la relation entre les quatre stéréoisomères, le SS et le RR sont énantiomères. On change, on inverse les deux configurations absolues. SR, RS, ce sont deux énantiomères. Donc énantiomère, énantiomère. Par contre, entre SS et SR, je n'ai inversé que un carbone asymétrique. Donc c'est diastéréoisomère. Entre RR et RS, je n'ai inversé que la configuration d'un seul carbone asymétrique, diastéréoisomère. Et bien évidemment, là aussi, ce sont des diastéréoisomères. Donc vous avez remarqué que pour passer d'un stéréoisomère à son énantiomère, on inverse la configuration absolue des deux carbones asymétriques,
Par contre, pour le passage d'un stéréoisomère à un diastéréoisomère, cela entraîne l'inversion de la configuration absolue que d'un seul carbone asymétrique. Pour l'écriture de cette molécule selon la projection de Fischer, rappelez-vous que dans la projection de Fischer, je ne peux pas écrire cette projection n'importe comment. On avait dit qu'il fallait respecter les quatre conventions de Fischer. Les deux conventions essentielles sont la chaîne. Tout ce qui est vertical, c'est derrière le plan de projection. Tout ce qui est horizontal, c'est devant le plan de projection. Troisième chose, la chaîne principale doit être verticale et l'indice le plus petit au niveau de la nomenclature doit être en haut. Donc ce que j'ai numéroté là, c'est la chaîne carbonée. 1, 2, 3, 4. Je me mets en dessous pour avoir cette chaîne qui part en arrière. Et ces deux-là qui viennent devant moi, droite, gauche, et donc ça sera. Donc vous voyez, la chaîne principale, elle est verticale. Tout ce qui est vertical, le plan de projection, c'est celui-ci, celui-là. Donc tout ce qui est vertical, c'est derrière le plan de projection, et tout ce qui est horizontal, c'est tout ce qui est vertical, c'est derrière le plan de projection, et tout ce qui est horizontal, c'est devant le plan de projection.